Maître d'Angléon, bonsoir. On se retrouve ici au studio pour parler de votre mandat d'amener. Des policiers sont venus chez vous le 9 décembre à 6h du matin. Vous pouvez nous expliquer? Bonsoir, effectivement, donc le 9 décembre, j'ai été réveillé donc par des policiers, trois policiers, à 6h du matin, qui sont venus m'interpeller chez moi, donc pour sur ordre de deux juges d'instruction. Alors, il s'agit de Madame Sabine Kéris et puis de Monsieur Cyril Paco. Ce sont des juges d'instruction qui exercent leurs fonctions au tribunal de grande instance de Paris. Donc, c'est sur une information judiciaire qui a été ouverte par le procureur de Paris, qui est Monsieur François Molins, originaire de la région de Perpignan. Alors, cette information judiciaire concerne des infractions imaginaires. Je suis accusé donc par le procureur François Molins d'avoir volé un dossier de procédure au pseudo-conseil de discipline du 7 mai 2014. Alors, en réalité, effectivement, j'ai consulté, pris, saisi un dossier pour le consulter. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier que j'ai consulté, c'est mon dossier, mon propre dossier. La procédure disciplinaire, c'est une procédure civile, et dans une procédure civile, chacune des parties, en l'espèce le bâtonnier et l'avocat accusé sur le plan disciplinaire, l'avocat va fournir son propre dossier, et dans ce dossier, j'avais donc joint une requête en récusation que j'avais rédigée, les pièces jointes à la requête en récusation, et puis également mes conclusions, essentiellement des conclusions d'incidents, et puis les pièces justificatives. Donc, c'est un dossier de procédure que j'ai déposé devant cette pseudo-juridiction disciplinaire, et donc à l'audience, j'ai voulu vérifier si des pièces avaient été ajoutées, ce qui aurait constitué une violation du contradictoire. Donc, j'ai pris ce dossier, je l'ai consulté, et ce dossier, c'est mon dossier, un dossier dont je suis propriétaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis accusé par le procureur de Paris, François Molins, d'avoir volé un dossier. Ce dossier, c'est mon propre dossier. Le vol, c'est la soustraction de la chose d'autrui. Il est proprement grotesque d'accuser quelqu'un d'avoir volé quelque chose qui lui appartient. Ces quelques explications permettent de comprendre à quel point nous sommes dans une situation anormale et spéciale. D'accord. Donc ils sont venus vous chercher à 6h du matin pour une audition. Il y a aussi des accusations de violence sur avocat sans ITT. Donc nous, on était présents ce jour-là. On a filmé, tout le monde peut voir ce qui s'est passé sur Internet. L'audience a été filmée. Comment on peut vous accuser de violence sur avocat sans ITT? Je ne comprends pas. Voilà, c'est encore effectivement. Le procureur François Molins a également ouvert une information judiciaire pour violence sans ITT sur avocat. Alors, je crois que tout le monde a pu voir ces images, et ce que l'on constate sur ces images, et notamment sur les images qui ont été filmées par Meta TV, on voit distinctement qu'à plusieurs reprises, un avocat me frappe dans le dos. Cet avocat s'appelle Fabrice Noray. Donc, c'est moi qui ai été et qui ai été victime de violence dans cette affaire. Et le procureur de Paris, François Molins, a décidé de me poursuivre, c'est-à-dire de poursuivre la victime de ces faits. C'est incroyable. Donc vous avez fait 3 heures d'audition, c'est ça? Et vous avez été emmené devant un juge. Devant le juge, on vous a emmené menotté. Alors, ce qui s'est passé, la chronologie, c'est la suivante. Les policiers viennent frapper à la porte de mon domicile. Je descends, je leur ouvre, et puis ils me présentent un mandat d'amener délivré par ces deux juges, Madame Sabine Kéris
et monsieur Cyril Paco. Ils m'emmènent dans leur voiture au palais de justice. Là, je suis jeté dans une cellule pendant 4 heures. Et ensuite, au bout de 4 heures, des policiers viennent me chercher, me passent les menottes pour m'emmener jusque le bureau de ces deux juges d'instruction, Sabine Guéris et Cyril Paco. Alors là, je suis démenotté. Et puis, cette juge d'instruction m'explique que je suis mis en examen. Je n'ai pas d'avocat, mais je suis mis en examen. Mais surtout, sur ces infractions, là, vol de dossier, ou plus précisément, ce qui est poursuivi, c'est vol du dossier du Conseil régional de discipline. Alors, de la même manière, chacun a pu voir les images, le dossier du conseil, du pseudo-conseil de discipline, c'est un dossier de couleur jaune qui est devant M. Robert Feller. Et ce dossier, personne n'y a touché. C'est le dossier dans lequel se trouve l'acte d'accusation, le rapport disciplinaire, la citation à comparaître et les pièces de la procédure. Donc ce dossier, c'est un dossier de couleur jaune. Il est resté pendant toute l'audience devant, posé sur la table, devant M. Robert Feller, personne n'y a touché. Donc l'accusation est particulièrement mal fondée. Ce qu'il faut savoir encore, le vol, c'est la soustraction de la chose d'autrui. Eh bien, le Conseil régional de discipline ne dispose pas de la personnalité morale, ne dispose pas de la personnalité civile. Comprendre que cette juridiction, Conseil régional de discipline, ne peut pas avoir de patrimoine et donc ne peut pas avoir de biens, immeuble, ne peut pas être propriétaire de quelque chose. Or là, je suis accusé d'avoir volé quelque chose au préjudice de cette juridiction qui n'a rien dans son patrimoine. C'est une infraction impossible. Nous sommes ici dans le domaine du grotesque. Donc, les trois infractions, vol de dossier, violence sur avocat sans ITT, et puis la troisième, c'est pression et menace sur avocat. Bref, tout le monde a bien compris. Hein, il n'est pas nécessaire d'avoir Bac plus 25 pour comprendre que les pseudo-juges disciplinaires qui siégeaient n'étaient pas là en qualité d'avocat, hein, mais en qualité de pseudo-juges disciplinaires. Bref, ce sont ces trois accusations qui sont poursuivies. Alors, ces deux juges d'instruction ne se sont pas contentés de me mettre en examen pour des infractions imaginaires. Ils m'ont en plus placé sous contrôle judiciaire. Alors, cette situation m'impose un certain nombre d'obligations. Je n'ai pas le droit de rencontrer le faux président du pseudo-conseil régional de discipline, François Détton. Sinon, je suis jeté en prison. Voilà la situation tout à fait anormale et spéciale dans laquelle je me trouve. Et avoir interdiction de rencontrer ce personnage particulièrement malhonnête, ça veut dire que je ne peux pas me rendre à l'ordre des avocats parce que j'ai les chances de le rencontrer. Dans ce cas, il appelle la juge en expliquant que je l'ai insulté et on me jette en prison. Je ne peux pas me rendre au tribunal de grande instance de Bobigny parce que si je le croise, même scénario, on me jette en prison. Bref, une situation tout à fait anormale et spéciale. L'autre obligation que ces deux juges d'instruction m'ont imposée, c'est une interdiction d'exercer la profession d'avocat. Je rentre dans le bureau de ce juge d'instruction à 10h30, j'en ressors à 10h40, je n'ai plus le droit d'exercer la profession d'avocat, et ceci en toute illégalité, car des juges d'instruction, sur le fondement de l'article 138 du Code de procédure pénale, ont interdiction absolue d'interdire à un avocat d'exercer sa profession. Mais ça se passe comme ça au palais de justice de Paris, dans le cabinet de ces deux juges d'instruction, Madame Sabine Guéris et Monsieur Cyril Paco. Interdiction illégale d'exercer la profession d'avocat. Là, on est arrivé réellement à un état de dictature parce que vous êtes privé donc de vos déplacements. Exactement. De vos déplacements, vous êtes privé de travailler, donc plus de recettes. Et il y a aussi un gros problème qui se pose. Bon, donc il y a vous, votre travail personnellement, mais il y a aussi le problème de vos clients. Vous avez des procédures en cours. Qu'est-ce qui devient de ces procédures? Vous ne pouvez plus les traiter?
Je ne dois plus, ces juges d'instruction, je ne peux plus intervenir sur aucune des procédures en cours. J'avais une affaire à plaider, je devais intervenir dans un dossier le 9 décembre, je n'ai pas pu intervenir. La personne s'est retrouvée sans avocat. Je devais intervenir le 10 décembre, je n'ai pas pu intervenir. La personne que je défendais s'est retrouvée sans avocat. Je n'ai pas pu intervenir le 11 décembre devant un juge d'instruction pour une petite affaire de diffamation. La personne s'est retrouvée sans avocat. Et puis, le juge d'instruction a envoyé une dizaine de policiers essayer de l'interpeller chez lui. Les autres affaires, j'ai d'autres affaires qui viennent tout au long de la semaine prochaine. Eh bien, les personnes qui m'ont fait confiance sont aujourd'hui sans avocat et dans des circonstances complètement illégales, car un juge d'instruction a interdiction absolue d'interdire à un avocat d'exercer sa profession. Il est seul le conseil de l'ordre du barreau peut placer en suspension provisoire un avocat après l'avoir convoqué, après l'avoir entendu. Donc nous sommes ici non plus dans un état de droit, mais dans un état de fait, dans un état d'exception, dans une situation absolument intolérable. La France est en train de devenir un goulag à ciel ouvert. C'est pas seulement le gouvernement des juges, c'est la dictature des juges et des procureurs. Parce que cette interdiction d'exercer la profession d'avocat, elle a été réclamée par le procureur de Paris, monsieur François Molins. Nous sommes dans une situation qui est absolument inversée, une situation de droit inversée, puisque les officiers du ministère public, les procureurs, sont chargés de requérir la loi, et aujourd'hui, bien très souvent, ils réclament au juge du fond, au juge d'instruction, le contraire de l'application de la loi. Voilà, c'est la situation absolument détestable dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont contre la loi, en dehors de la loi. Quel recours vous avez pour vous sortir de tout ça? Alors, ce que j'ai fait sur le plus urgent, c'est sur l'interdiction illégale d'exercer la profession d'avocat. J'aurai gain de cause devant la chambre de l'instruction. Donc, j'ai fait appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Et puis, j'ai également déposé devant le juge d'instruction une requête en rétractation de cette interdiction illégale d'exercer. Pour tout vous dire, la dernière fois en France qu'un juge d'instruction a osé interdire à un avocat d'exercer sa profession, ça remonte à une vingtaine d'années. Et à l'époque, ça avait déjà fait un scandale. Eh bien, nous sommes en train de retomber dans une situation absolument anormale et spéciale où, sous prétexte d'indépendance, certains juges d'instruction font leur loi. C'est une situation absolument déplorable. On voit bien que vous êtes attaqué sur plusieurs fronts. Il y a aussi ce pseudo bâtonnier Robert Feller, c'est ça, qui vous convoque le 16 décembre pour une audience à 8h30. Alors, c'est exact. Je suis convoqué le 16 décembre à 8h30 pour une nouvelle procédure disciplinaire à l'initiative de Monsieur Robert Feller, S qualité de bâtonnier, donc. Et cette audience va se tenir au Palais de Justice de Paris, au 4-10 boulevard du Palais, 75-001 Paris. Alors, il faut, pour se repérer dans le tribunal de grande instance, il faut se diriger vers le point Z et ensuite monter au deuxième étage par un ascenseur ou par l'escalier. Et puis, c'est la salle Jean Vassogne. Alors, il s'agit d'une audience publique. Et c'est l'avocat mis en cause qui décide si l'audience doit être publique ou en chambre du conseil, c'est-à-dire sans public. Je décide que cette audience sera publique. Bien évidemment, Robert Feller et les quelques factieux qui vont siéger vont exiger une audience en chambre du conseil. Eh bien, nous partirons. Hein, c'est aussi simple que cela. Tout ceci est illégal. Donc je suis, cette procédure disciplinaire, c'est toujours de fausses accusations portées à mon encontre par Robert Feller. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais donc délivrer contre un certain nombre de faussaires qui siègent à cette audience des citations directes
pour usurpation de titres et qualités, et puis tentative d'escroquerie au jugement. Alors, il faut savoir que, normalement, les audiences disciplinaires, en fonction du règlement intérieur, doivent se tenir soit à la maison des avocats du barreau de Paris. Le bâtonnier ne veut plus donner de salle d'audience parce qu'il sait que ces procédures disciplinaires sont entièrement frauduleuses. Ces audiences peuvent également se tenir au siège du Conseil national des barreaux. Et là encore, le président du Conseil national des barreaux n'accepte plus de fournir une salle d'audience. Et donc, de façon absolument anormale et spéciale, c'est, semble-t-il, la première présidente de la Cour d'appel de Paris, qui s'appelle Madame Chantal Arens, qui a fourni une salle d'audience qui, en principe, est utilisée par la Cour d'appel de Paris. Donc nous sommes dans une situation tout à fait extraordinaire, puisque nous avons des hauts magistrats, une ou des hauts magistrats, qui ont donné une salle d'audience, des moyens à des faussaires pour, à l'issue d'une procédure d'opérette, hein, dans le style Luis Mariano, nous aurons l'objectif de toute cette cabale, de toute cette opération, c'est de prononcer, c'est de fabriquer un faux jugement. Donc aujourd'hui, eh bien, je le déplore, des hauts magistrats ont donné des moyens à des faussaires pour fabriquer un faux jugement. Donc là, le prochain gros rendez-vous, c'est ce mardi 16, la semaine prochaine, dans quelques jours. Là. Voilà, exactement. Il va falloir beaucoup de monde pour leur montrer, leur mettre un petit peu la pression, parce qu'il faut que ça s'arrête tout ça. Il faut que ça s'arrête, c'est plus possible. Oui, je pense que beaucoup de personnes estiment qu'il faut, dès à présent, compte tenu de ces fraudes, compte tenu de ces falsifications, compte tenu de ces trafics au sein de ces pseudo-conseils de discipline, qu'il faut d'abord supprimer les bâtonniers, et puis j'entends de plus en plus de personnes dire « il faut rétablir le bagne », et puis prévoir une peine de 20, 30, 40 ans de bagne pour ces avocats qui croient pouvoir utiliser des pouvoirs au sein des barreaux, au sein des conseils de l'ordre, en qualité de bâtonnier, pour monter de fausses procédures disciplinaires visant à chasser les gens qui font, les avocats qui font correctement, normalement et proprement leur travail. Voilà, on ne peut pas dire plus, il faut aujourd'hui une réforme importante qui passe par la suppression des barreaux et la suppression des bâtonniers. Aujourd'hui, vous êtes attaqué, mais vous êtes avocat, vous avez les moyens de vous défendre. Mais s'il s'attaque de la même façon à un citoyen lambda qui n'a pas l'habitude de tout ça, ils peuvent le détruire en quelques jours. Là, ils ont un caillou dans la chaussure parce que François Mendenglean a le moral et est costaud. Mais exactement. Oui, c'est pour un citoyen lambda qui connaît pas la justice, qui n'est pas habitué à ce genre de procédure, c'est très intimidant, c'est très dur. Le citoyen qui s'imagine que la justice va lui rendre ses droits, eh bien, se trompe profondément. Pour 90% des personnes, se retrouver en justice, c'est le début du cauchemar. C'est le moment où les choses vont s'aggraver. Il n'y a pas aujourd'hui de solution en justice parce que notre pays, la France, n'est pas une république, n'est pas un état de droit, n'est pas une démocratie, c'est au fond une sorte de goulag à ciel ouvert. Eh bien, maître, je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots qui me paraissent assez puissants, mais assez honnêtes. Je vous remercie pour cet entretien. Voilà. Moi, je vous retrouverai mardi 16 décembre, donc à 8h30, à Paris. À bientôt, merci, bonsoir.